donc applaudir et accueillir le recteur, Monsieur Thierry Magnin. Monsieur le général Gilles Barrier, président de l'Association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon. Monsieur le sénateur maire Gérard Collomb. Le président du conseil départemental du Rhône, monsieur Christophe Guillotot. Le président du conseil régional, monsieur Jean-Jacques Kéran. Monsieur le préfet de région, Michel Delpech. Et nous laissons tout de suite la parole au général Gilles Barrier, président de l'Association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon. Monsieur le préfet, monsieur le député, président du conseil départemental du Rhône, monsieur le sénateur maire de Lyon, président de la métropole de Lyon, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil régional, mesdames et messieurs les élus, mon général, madame la rectrice d'académie, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, très nombreux ce soir, nous nous en félicitons, les responsables des services de l'État et des collectivités locales, et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce beau projet, vous tous qui nous faites l'amitié de prendre part à ce grand moment de l'inauguration du campus Saint-Paul, je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Au cours de ces 10 années d'un parcours parfois sportif, animé par le dynamisme de notre université et de sa direction, nous avons rencontré quelques défis que je rappellerai en remerciant ceux qui nous ont aidés à les relever. Défi des normes d'abord, qui s'est présenté dès 2005, quand nous nous sommes posé la question de l'avenir du campus Bellecour, compromis par ses conditions d'accessibilité et de sécurité. Beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, monsieur le maire, nous ont conseillé d'abandonner notre site historique, ce que nous avons décidé en 2009 avec Paul Thiriet, mon prédécesseur, le père Quesnel et son équipe, ainsi que les instances de l'université et de son association. Où aller? Après avoir envisagé de quitter le centre de Lyon, puis de nous installer sur Confluence, nous avons choisi la même année de demeurer une université du centre de l'agglomération, au service de sa ville et de sa région, et de concourir au projet des prisons, site emblématique qui nous paraissait favorable à l'enseignement et proche de Carnot. À nouveau, les services de l'État et les élus, mais aussi les Lyonnais, nous ont encouragés dans ce choix, qu'ils en soient remerciés, et notamment Monsieur le préfet Jacques Giraud, à qui nous devons beaucoup. C'est alors présenté le défi architectural déterminant pour la suite du projet. Nos architectes, messieurs Garbit et Blondeau, que je salue, nous ont d'emblée séduits par le projet La Vie Grande Ouverte, qui a été remarquablement accueilli par les responsables locaux, qui doivent être présents ce soir, M. Brévy est sans doute là, et les habitants, au cours d'une dizaine de réunions publiques, et par nos personnels qui ont apprécié la résurrection de ces pierres vivantes du XIXe siècle, en appui des bâtiments de haute technologie qui les entourent et leur permettant de s'ouvrir vers le monde. Mais le rêve a ses limites,
rappelé par le défi financier de l'ordre de 82 millions d'euros hors taxes, très lourd pour une association disposant d'un budget annuel de 30 millions. Pour le relever, nous avons peu à peu vendu une partie de notre patrimoine, une dizaine d'immeubles et même quelques vieux meubles. Un défi commercial relevé par toute une équipe, permettez-moi de citer Paul Thiriet et nos notaires, Maître Tournier et Berthier, avec qui nous avons vécu de grands moments. Nous avons également recherché des soutiens financiers. Je remercie particulièrement M. Mercier, M. Kéran, mais aussi M. Collomb et leurs adjoints. Notre reconnaissance s'adresse enfin à tous les donateurs privés qui ont pris part à une campagne commandée par un grand capitaine d'industrie, Alain Mérieux, dans un bel élan victorieux, avec 60 entreprises locales dont les noms sont inscrits sur ces murs. La première victoire a été remportée en 2010, année cruciale, lors du concours pour l'acquisition des prisons, avec notre mandataire Sofad et Ogic du groupe d'Entresangles, qui nous ont accompagnés en permanence par leur professionnalisme et leur soutien vigilant et amical. Et je salue Norbert d'Entresangles, Vincent Ménez, Gilles Bayon de la Tour, Michel Philibert et toute l'équipe d'Ogic. Nous étions alors à mi-parcours. Le défi de la construction nous attendait, avec 2 ans de démarches administratives et techniques, avant 3 ans de travaux et d'installations. Ce fut un chantier difficile par son ampleur, plus de 36 000 mètres carrés, le nombre d'entreprises sur le site, 35, les effectifs, 300 personnes en permanence sur le chantier, et ces exigences patrimoniales qui demandent de conserver 41% du bâti initial, quelques aléas, heureusement sans trop de gravité, et la définition assez changeante des besoins de ces futurs utilisateurs, près de 10 programmes, malgré l'étude remarquable de notre programmiste. Autant de décisions, parfois délicates, qu'il a fallu arbitrer avec le Permanien et son équipe. L'opération s'est achevée par le déménagement de la presque totalité de l'université au début de l'été 2015, dans les délais prescrits pour la rentrée et conformément au budget prévu après un léger recalage en 2014. Vous me permettrez ce soir de féliciter chaleureusement tous ceux qui nous ont entourés et ont contribué à ce beau succès. Les personnels de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des entreprises et tous ceux qui se sont dépensés pour la réussite de ce projet hors norme. Particulièrement, Jean-Pierre Blondeau et Maude Grandperret, à qui je demande de se lever, s'il vous plaît. Nos architectes. Michel Quiblier pour la coordination et le respect du planning. Là aussi. Frédéric Vaudarzac du bureau études fluides à BAC pour son implication au-delà de sa mission. Baptiste Dahl, économiste de Corel, gardien des engagements financiers qui ont été respectés pour un coût foncier et de construction du site de 2000 euros mètre carré, je tiens à le préciser, très raisonnable. Enfin, nous exprimons notre sincère gratitude aux bénévoles de notre association, messieurs Jean-Marc Truchot et Frédéric Pro, qui ont piloté cette grande opération avec dévouement et compétence, avec l'assistance appréciée de l'AMO, messieurs Bruno Delaplace et Guissini.
Je demande également aux membres des entreprises qui ont travaillé sur le chantier de se lever. Ils sont nombreux, je vous remercie de les applaudir tous très chaleureusement. Après 10 ans d'études et de travaux du campus Saint-Paul qui ont suivi 10 années consacrées au campus Carnot, nous avons ainsi totalement rénové les installations d'enseignement et de l'UCLI pour lui permettre un bel avenir au service de nos valeurs et de notre pays. Merci. L'œuvre qui a été choisie par vous, Général Barrier, qui va maintenant être interprétée par le quatuor Debussy, est le Stabat Mater d'Antonio Vivaldi. Composé pour la fête des 7 douleurs de la Vierge en 1712, l'œuvre est vite tombée dans l'oubli suite à sa première représentation, puis redécouverte au début du XXe siècle comme beaucoup d'œuvres de ce compositeur. Mesdames et messieurs, le Stabat Mater de Vivaldi. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, merci d'accueillir notre prochain intervenant, le sénateur-maire de Lyon, M. Gérard Collomb. Éminence, cher cardinal Barbarin, chancelier de l'Université catholique de Lyon, Monsieur le préfet de région, préfet du Rhône, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le recteur de l'Université catholique de Lyon, Monsieur le président de l'Association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, cher général Gilles Barrier, Monsieur le président du Conseil départemental du Rhône, Monsieur le président du Conseil régional Rhône-Alpes, Monsieur le représentant du gouverneur militaire de Lyon, Madame la rectrice de l'Académie de Lyon, chancelière des universités, Mesdames et Messieurs. Il est des moments plus marquants que d'autres dans l'histoire d'une ville. Des moments qui nous font prendre conscience du sens de l'aventure urbaine à laquelle nous prenons part, qui nous font mesurer la puissance que peut avoir une ambition collective quand elle parvient à traduire en acte un idéal. C'est l'un de ces moments que nous vivons ce soir ensemble, et c'est pour moi une joie profonde que nous soyons rassemblés pour l'inauguration de ce campus Saint-Paul. Monsieur le recteur, cher père Thierry Magnin, cher général Barrier,
Nous savons tous l'énergie, la persévérance, l'audace dont vous avez fait preuve avec vos équipes et vos partenaires pour que ce beau projet aboutisse. Permettez-moi également d'exprimer ma gratitude au père Michel Quesnel, dont l'engagement comme recteur de cette université avait été décisif il y a quelques années pour amorcer cette réalisation hors du commun. De remercier Monsieur le préfet Géraud, qui à l'époque avait à la fois fait preuve d'un grand sens de l'État, d'un grand sens financier de l'État, et en même temps d'une belle vision pour cette partie de la confluence. Permettez-moi d'y associer celui qui était à l'époque mon adjoint à l'urbanisme, Gilles Buna, qui travaillait beaucoup avec les services de l'État pour que ce projet puisse prendre forme. Je crois que ce soir, nous partageons tous la même émotion. Quand nous pensons qu'il y a encore 6 ans, se dressait ici la prison Saint-Paul. Un site important dans l'histoire urbaine de notre ville. Un site important pour notre mémoire collective. Nous nous souvenons qu'ici, aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, des résistants avaient été détenus, parmi lesquels Raymond Aubrac ou encore Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit et père du personnalisme. C'est ici que sévissait la cour martiale de la milice française, dirigée par Paul Touvier avec sa terrible justice expéditive. La reconversion d'un tel lieu méritait donc une grande perspective. Et c'est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous avons voulu travailler avec l'État pour trouver un projet qui soit à la fois respectueux de l'identité des lieux, mais en même temps les projette dans l'avenir. C'est cela que permettait la vie grande ouverte portée par l'Université catholique de Lyon, par le groupe de Norbert d'Entresangles et sa filiale OGIC, par la Fondation Habitat et Humanisme et l'OPAC du Rhône. Et quelle plus belle symbolique que la création ici d'un lieu de savoir où l'on avait l'enfermement, d'un lieu de partage là où dominait la solitude, d'un lieu de promesse là où parfois l'espérance s'était enfuie. Je veux, moi aussi, saluer la qualité du travail de Bernard Gabit et de Jean-Pierre Blondeau, qui ont réalisé ici une vraie prouesse architecturale. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous avons ensemble visité ce campus Saint-Paul. Ce qui frappe, quand on franchit les portes de ce nouveau campus, c'est l'harmonie des volumes, où l'architecture d'aujourd'hui côtoie les pierres dorées de la rotonde qui formait le cœur du plan panoptique de la prison. C'est l'élégance de ces passerelles métalliques qui relient entre eux bâtiments historiques et contemporains. C'est la cohérence de cet espace où se côtoie lieu de partage et de convivialité avec la rue centrale qui permet de passer dans un cadre agréable de la place des archives à la rue de Landine. C'est le lieu de recueillement avec cette chapelle Saint-Irénée que nous avons visitée tout à l'heure et qui est d'une beauté dans sa sobriété remarquable. Et enfin, ce lieu d'étude avec la médiathèque, vos 20 amphithéâtres et les 70 salles de cours. Et où que l'on soit, se révèle la qualité première de cet ensemble, la lumière qui, grâce à cette verrière de 15 mètres de haut, offre partout au regard un horizon élargi. Et tout à l'heure, nous regardions du côté de Fourvière, nous regardions du côté de la Part-Dieu, nous regardions
du côté de la confluence, et partout, c'était des paysages splendides. Oui, il ne pouvait y avoir plus belle traduction de l'idéal de la connaissance porté par l'Université catholique de Lyon que cette réalisation. Monsieur le recteur, tout à l'heure, vous avez défini ce qu'était pour vous la formation de la faculté catholique, à la fois, évidemment, porter des disciplines diverses, mais en même temps, permettre à vos étudiants de s'élever dans leur dimension de citoyens, d'appréhender aussi les problèmes éthiques qui sont ceux de notre société. Cette magnifique réalisation est l'expression de ce modèle. Elle marque avec éclat les 140 ans de votre grande institution. 140 ans au cours desquels l'établissement n'a cessé d'évoluer, de s'adapter aux grands enjeux de société. Je voudrais rappeler, pendant la Seconde Guerre mondiale, les enseignants de la faculté de théologie qui prenaient des positions courageuses. Il faut rappeler le rôle éminent joué dans la résistance spirituelle par des personnalités comme les abbés Joseph Chêne, Louis Richard, Pierre Kahn et évidemment Henri de Lubac. Et vous avez donné son nom à un amphithéâtre. Henri de Lubac, qui avec Jean Danielou, crée aussi la collection Sources chrétiennes en décembre 1942 et choisissait comme premier volume une vie de Moïse pour souligner en pleine occupation nazie les liens de filiation unissant judaïsme et christianisme. Oui, votre université a vécu des moments forts au cours de ces 140 ans. Elle n'a cessé d'évoluer. J'avais déjà eu l'honneur de pouvoir inaugurer la faculté catholique Place Carnot. J'ai aujourd'hui l'honneur d'inaugurer avec vous ce beau campus Saint-Paul. Cette réalisation est significative du succès de votre université. Vous l'avez dit tout à l'heure, en l'espace de 10 ans, vous avez doublé le nombre de vos étudiants pour atteindre 10 000 aujourd'hui. L'université catholique, Madame la rectrice le soulignait tout à l'heure, est devenue une institution majeure dans le paysage universitaire lyonnais. Une institution qui se distingue par la fidélité à ses valeurs, comme en témoigne, par exemple, depuis 30 ans, l'Institut des droits de l'homme. Une institution qui compte aussi par la force de ses liens avec le monde économique, comme l'illustrent vos 5 écoles professionnelles, ou l'engagement à vos côtés de chefs d'entreprise, à l'image d'Alain Mérieux, président de votre campagne de mécénat. La force de l'université catholique, c'est de rester fidèle à ses valeurs, tout en préparant les étudiants à affronter le monde de demain. Une exigence qui, au fond, pourrait se résumer d'un mot, l'ouverture. Ouverture à la société, ouverture au monde, ouverture aux autres cultures. Et vous avez aujourd'hui 250 conventions établies avec une 60aine de pays différents. Une ouverture que va renforcer, je le souligne, votre élection, cher Père Magnin, à la vice-présidente de la Fédération internationale des universités catholiques. Une ouverture, enfin, à la cité et à la ville. Mesdames et messieurs, vous comprenez que pour moi, le projet que nous inaugurons ce soir est évidemment quelque chose de majeur. Ce quartier de la confluence, nous allons voulu en faire le symbole de la vie dont nous rêvions. À la fois dynamique sur le plan économique, mais en même temps une ville du partage. Je le rappelle souvent, on note dans ce quartier de la confluence
la beauté de l'architecture, l'audace technologique qui fait que des bâtiments comme Ikari sont à la pointe de la performance pour pouvoir maîtriser les énergies. Mais ce qui, je crois, est le plus fondamental, c'est que dans ce quartier, on puisse retrouver l'ensemble des couches de notre société, qu'il y ait 30% de logements sociaux dans ce quartier, et que lorsque l'on se promène et que l'on regarde les immeubles, on ne puisse voir lequel est d'accession à la propriété et lequel est de logement social. C'est cela aussi la grande tradition de Lyon et la tradition que vous portez avec l'Université catholique. Alors, cher père, je sais vos interrogations aujourd'hui. Nous avons voulu que la confluence soit le prolongement de la presqu'île. Mais entre la presqu'île et la confluence, nous avons quelquefois quelques problèmes. Celui qu'avait déjà constitué la gare de Perrache, mais celui qu'a constitué le centre d'échange. Et donc nous sommes en train de travailler sur la capacité de transformation de ce centre d'échange, d'ouverture de ce centre d'échange. Et donc aujourd'hui, j'avais le conseil d'administration de la société Lyon Confluence et nous avons validé cette transformation des voûtes. D'abord, pour faire en sorte que nous puissions les ouvrir sur les paysages qui les environnent. Et demain, en démolissant quelques parties de ces voûtes, nous aurons à nouveau des perspectives sur la gare, des perspectives sur Château-Perrache, et nous aurons à nouveau des perspectives sur la place Carnot. Et donc, se reliera physiquement la faculté catholique de la place Carnot et le nouveau campus que nous inaugurons. Nous pensons aussi à vos étudiants, pour que les transports en commun soient faciles pour eux. Et donc, nous allons resituer l'entrée du métro en le rapprochant de la place des Archives. Nous allons faire en sorte que le tramway qui aujourd'hui arrive derrière Perrache puisse arriver bord à bord avec le tramway de la Confluence. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une page supplémentaire de l'histoire de ce quartier dont, il y a quelques années, avec mon ami Roland Bernard, qui est ici, nous avions rêvé. Par sa forme, par sa vocation, par ses ambitions, ce nouveau campus Saint-Paul est un élément majeur du renouveau de la Confluence. Il s'appuie sur le passé, tout en étant capable de le renouveler. Il s'ancre sur un héritage culturel fort, mais pour mieux permettre aux étudiants d'avancer dans ce siècle. Le défi, Paul Serre le soulignait tout à l'heure, est certes de transmettre des savoirs aux jeunes générations, mais c'est pour leur permettre de comprendre les grandes mutations en cours, pour qu'ils soient en mesure d'être les artisans du monde de demain. Car pour reprendre les mots de Michel Serres, penser, c'est inventer. Nous sommes heureux et fiers de l'ouverture de ce campus Saint-Paul. Il est la traduction de cet idéal humaniste qui est au fondement même de l'identité de notre cité, et vous l'avez souligné tout à l'heure. Celui que Louis-Joseph Lebret résumait dans une très belle définition, je le cite. Notre humanisme s'adresse à des femmes et à des hommes pluriels dans leurs origines, comme dans le sens qu'ils donnent à leur existence. Il n'est ni dogmatique, ni moralisateur, il est éthique et en appelle à la responsabilité de chacun face au devenir de tous. Je forme le vœu que ce campus Saint-Paul soit cet indispensable outil de progrès de notre société. Et je souhaite à tous les étudiants de vivre pleinement ces années d'études qui, dans une vie, sont parmi les plus belles.
Mesdames, Messieurs, pour vous, le morceau choisi par notre sénateur-maire, Monsieur Gérard Collomb, le rondo en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Merci au Quatuor de Bussy pour cette pièce de Bach, encore une épreuve de Bach, comme vous le disiez, Christophe Colette. Nous accueillons maintenant à la pupitre le président du conseil départemental du Rhône, M. Christophe Guillotot. Monsieur le recteur, monsieur le préfet, je devrais dire plutôt messieurs les préfets, cardinal, monsieur le grand rabbin, je voudrais vous présenter mes félicitations pour cette très belle décoration qui vous a été remise ce matin dans ce partage des religions, cette légion d'honneur au nom de tout ce que vous avez fait pour les autres. Bien sûr, général Barrier, l'engagement que vous avez eu vous honore. Il vous change des mots comme LPM, livre blanc, A400M, ce qui montre qu'il y a une autre vie après la vie militaire. Je voudrais bien sûr saluer Gérard Collomb et à travers lui, c'est tous les élus de la métropole que je salue. Saluer bien sûr le président du conseil régional, c'est à travers lui tous les élus du conseil régional que je salue, ceux de maintenant et les futurs, bien sûr. Saluer, bien sûr, mes collègues parlementaires, ceux du Rhône et puis ceux qui viennent d'un peu plus loin, ce qui montre l'intérêt que peuvent avoir les élus de cette grande région pour ce campus, ce beau campus. Inaugurer un campus universitaire est quelque chose de rare, très rare, encore plus rare pour un élu qui n'a pas de campus sur son territoire. Mais il n'en demeure pas moins que le conseiller général, dans sa grande sagesse, comme ça a été souligné tout à l'heure, et je voudrais y associer bien sûr mes deux prédécesseurs, Michel Mercier et Daniel Suzeville, qui ont largement contribué au financement de cet édifice, de ce bâtiment, avec bien sûr son histoire, mais tout ce que ça représente, parce que c'est à la fois d'un côté l'aménagement du territoire, tel que nous l'a souligné, expliqué dans son plan de mandat le maire de Lyon, et puis l'enseignement. L'enseignement qui est quelque chose d'important pour nous, pour notre nation, mais bien sûr pour tous les étudiants qui sont ici, dans ce monde déstructuré. Ils sont un exemple de ce que d'autres ne peuvent pas avoir dans leur pays.
Avoir une faculté, c'est quelque chose d'important, mais l'avoir fait ici, sur ce site, qui a cette histoire si particulière, c'est un exemple que nous devons suivre dans l'aménagement du territoire. Alors le département a apporté dans ce plan campus, qui est 35 millions, 4 millions. C'est certainement la plus petite collectivité qui a mis le plus d'argent ici. Et je voudrais que ce soit souligné parce que nous n'étions pas obligés de le faire, mais ça a été fait par la volonté, je dirais, de mes prédécesseurs. Et je voudrais qu'on les applaudisse pour cet engagement qu'ils ont toujours eu à la faculté catholique, celle-ci et celle d'avant, et en plus en garantissant ce qu'on appelle les emprunts communément. Nous le faisons à côté de ce qui est notre prérogative, c'est-à-dire les collégiens, 51 collèges, pour lesquels Madame le recteur, malheureusement, n'apprend plus le grec ni le latin, on ne peut que le regretter. C'est comme ça, c'est une nouvelle vision de l'enseignement que je ne partage pas tout à fait, mais c'est celle qui est inscrite maintenant dans les nouveaux programmes. Et je souhaite que ici les étudiants puissent s'épanouir avec autre chose que des livres de Tintin, mon père, qui pourraient les faire s'évader, mais qui leur permettront, avec ce qu'ils apprendront ici, de changer le monde, parce que c'est ça qui est important. Condorcet disait qu'il n'y a pas de démocratie sans enseignement, et je crois que l'enseignement est la base de la démocratie. Le conseil général, à côté des autres collectivités, y a contribué. Bravo pour tous ceux qui ont cet engagement, qui a duré 10 ans. Alors je souhaite simplement aux étudiants une très belle vie et demain d'être des citoyens du monde. Merci à vous tous. Merci Monsieur Guillotot. Vous avez choisi pour le quatuor de Bussy une pièce de Vivaldi, une de ses plus connues, Le Printemps. Nous écoutons maintenant la transcription du quatuor de Bussy réalisé pour cette soirée, du Printemps de Vivaldi. Thank you.
Un grand merci au Quatuor Debussy pour cette très belle transcription. Et maintenant, je vous prie d'accueillir notre prochain intervenant, le président du Conseil régional, Monsieur Jean-Jacques Kerran. Monsieur le préfet de région, monsieur le préfet Géraud, que je suis très heureux de retrouver dans ces circonstances fortes pour lui, d'un engagement qu'il avait pris dans les responsabilités qu'il exerçait dans notre région. Éminence, cardinal Barbarin, monsieur le grand rabbin Wertenschlag, mes chers collègues élus, monsieur le sénateur maire, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les députés, et puis surtout vous, monsieur le recteur et mon général, puisque vous venez de réussir, en lieu et place de l'ancienne prison Saint-Paul, une formidable reconversion de votre patrimoine, de notre patrimoine au service de votre projet éducatif. Et j'ai pu suivre en tant que voisin les différentes étapes de ce chantier, et à plusieurs reprises vous m'avez convié pour voir l'évolution des travaux. Effectivement, le lieu où nous nous trouvons porte son histoire, une lourde histoire, celle de 2 siècles d'enfermement carcéral, avec ce qu'il a pu comporter de justice, mais aussi de souffrance, et au fil des années, de vétusté et d'insalubrité. Aujourd'hui, grâce au soutien de l'État, au soutien des collectivités locales, et aussi de vos mécènes très nombreux, vous avez entrepris et vous avez réussi cette formidable aventure, faire revivre ce lieu, lui redonner souffle à travers la plus belle des missions qui soit, la transmission du savoir pour former des citoyens capables et des professionnels accomplis. Vous avez réussi, nous l'avons remarqué au cours de cette visite, une prouesse architecturale, puisque vous avez su symboliquement intégrer la dimension mémoriel du lieu, en même temps qu'il érige désormais avec force sa nouvelle destination. En conservant le plan panoptique, ce campus Saint-Paul conserve l'héritage culturel de l'hygiénisme et du fonctionnalisme du XIXe siècle. Et en arasant les murs d'enceinte, il ouvre une brèche sur la ville et se réconcilie avec un environnement dont il était coupé et forme maintenant un trait d'union dans ce nouveau quartier de la Confluence. Et il marque surtout, après 140 ans, une nouvelle étape dans l'histoire de la Cato. La Cato, comme aiment à l'appeler les Lyonnais. Et effectivement, la présence d'un nouveau lieu d'enseignement supérieur et de recherche n'est pas anodine. C'est une bonne nouvelle, c'est une marque de confiance dans la société de la connaissance. Je veux saluer le fait que ce campus universitaire s'inscrit dans un projet global, à la faveur d'un programme complet qui portera sur le site de l'ancienne prison Saint-Joseph. Ainsi, la vie économique, la vie sociale, la vie fragile aussi avec le partenariat d'Habitat et Humanisme se conjuguera, se côtoiera, se côtoieront avec la vie étudiante et la vie universitaire. La région a participé au financement ici d'un certain nombre de réalisations qui concernent la vie étudiante, des équipements modernes, salles de sport, foyers, lieux de respiration et surtout une nouvelle cafétéria gérée par le CROUS et une bibliothèque qui seront accessibles, nous venons de le voir, aux étudiants de tous les établissements universitaires de l'Université de Lyon. Et ces équipements sont essentiels. Ils sont essentiels pour atteindre ce que communément on appelle les standards internationaux et qui doivent offrir aux étudiants des meilleures conditions pour apprendre, bien sûr, pour se réaliser et pour réaliser leur projet de vie. Cette question de la condition de vie et d'études des jeunes est essentielle. Nous devons y travailler sans relâche, car une société qui néglige sa jeunesse serait une société en déclin. Et je veux souligner qu'avec la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes, nous aurons une communauté universitaire de 300 000 étudiants, de 25 000 enseignants-chercheurs.
Cela représente donc une force intellectuelle, une force culturelle, une force morale particulièrement exceptionnelle. Dans ce domaine, donc, la région est présente, puisque en dehors de nos compétences obligatoires, ce sont 40% de nos dépenses qui sont consacrées à l'enseignement supérieur et à la recherche. Je veux saluer tout particulièrement ici la tradition dans laquelle vous vous inscrivez aujourd'hui. Cette tradition, monsieur le recteur Magnin, vous l'avez rappelé, c'est la tradition de l'humanisme social. L'humanisme social fondé sur l'idée de servir le bien public et de contribuer au perfectionnement spirituel, matériel et moral des jeunes qui fréquentent ici cet établissement et plus largement de la société locale. Cet humanisme, c'est l'idée que la connaissance est émancipatrice et qu'elle autorise le progrès social. Aussi, je crois que vous pourrez conjuguer ainsi, dans ce très beau lieu, ce que Michel Serres appelait tout à l'heure dans sa conclusion, la joie de la pensée et la démocratie du savoir. Voilà deux très belles missions. Je suis sûr que vous saurez les accomplir avec l'ensemble de la communauté étudiante et de la communauté universitaire rassemblée ici à la Cato. Merci. Merci, monsieur Kéran. Vous avez choisi un morceau ce soir du Quatuor opus 59, numéro 2, de Ludwig von Beethoven, le Scherzo, que nous allons entendre maintenant. Thank you.
Merci encore au quatuor de Bussy. J'invite maintenant à venir au pupitre le préfet de région, Monsieur Michel Delpuech. Monsieur le cardinal, et recteur et chancelier, monsieur le sénateur maire de Lyon, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les adjoints, les élus, madame la rectrice de l'académie et chancelière des universités, monsieur le recteur de l'université catholique de Lyon, mon général, président de l'association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, mesdames, messieurs, toutes et tous en vos titres et qualités, je vis comme un privilège le fait d'avoir pu représenter l'État et inaugurer avec vous aujourd'hui ce nouveau et magnifique campus Saint-Paul de l'Université catholique de Lyon. Cette réalisation que j'ai découverte, comme sans doute beaucoup d'entre vous, à l'occasion de cette visite, dont nous vous remercions, monsieur le recteur, est une réalisation absolument magnifique, absolument superbe, et qui marquera durablement et l'histoire et les lieux de votre belle ville de Lyon, monsieur le sénateur maire. Cet heureux événement est symbolique à plusieurs égards. On l'a tous dit, mais je le répète à mon tour. Ici, par le passé, vous étiez implanté depuis 1875, 140 ans, ça a été dit, place Bellecour, et vous en constituez une partie de l'identité, une partie de l'histoire. Aujourd'hui, vous vous installez à la jonction de Confluence et du secteur sud Bellecour-Perrache, ces quartiers dont on me dit qu'ils étaient longtemps isolés, parce qu'au-delà de la gare, au-delà d'une sorte de barrière très forte, longtemps stigmatisés et qui connaissent aujourd'hui un renouveau, une revitalisation absolument considérable, absolument admirable. Par le choix de l'emplacement et le prestige de ces locaux, vous témoignez de votre profond ancrage dans la ville de Lyon, dont vous accompagnez les mutations. Vous illustrez aussi, métaphoriquement, mais pas seulement, le but que s'assigne tout système éducatif, tout projet éducatif. Vous avez choisi de citer pour cette inauguration, bien sûr, la formule de Victor Hugo, qui ouvre une école, ferme une prison. C'est précisément ce qui est fait ici. Vous partagez ainsi la caractéristique d'un autre établissement de formation. On me met sur mon papier prestigieux, à vous d'apprécier, mais c'est l'ENA. À Strasbourg, qui est installée dans l'ancienne prison Sainte-Marguerite et qui a mis en exergue cette formule de Victor Hugo et qui, de surcroît, s'est installée dans ce qui fut autrefois, avant la prison, une abbaye. Au-delà des symboles, cette installation constitue un remarquable atout pour notre territoire, pour notre région, pour notre pays. À une époque de compétition universitaire internationale, époque où nos établissements doivent rivaliser avec les meilleures universités européennes, américaines, asiatiques, avec souvent des campus rutilants, vous créez ici les conditions d'une plus grande attractivité pour des talents venus d'ailleurs et pour les jeunes Français. Nous avons beaucoup apprécié de ce point de vue votre introduction en plusieurs langues. Ici, nous n'inaugurons pas qu'un bâtiment, aussi remarquable soit-il. C'est un nouvel axe de la vie universitaire lyonnaise qui prend naissance, qui croît et qui prospère. Près de 10 000 étudiants, dont 1500 étrangers, viendront ici parcourir les rayonnages de votre bibliothèque universitaire, suivre les cours dans ces salles dont nous avons pu apprécier la modernité à l'heure du numérique, s'exercer dans cette magnifique salle de sport que nous avons découvert aujourd'hui. Deux de vos cinq facultés
seront présentes ici par leur enseignement, le pôle droit et sciences économiques et sociales, le pôle sciences également. Les enseignements que vous proposez, quel que soit le domaine auquel ils se rattachent, sciences, droit, management, se distinguent par leur ouverture aux problèmes philosophiques et éthiques. Cette démarche, que je salue, reflète à l'évidence une certaine tradition sociale toute lyonnaise. Elle s'inscrit dans l'héritage du catholicisme social et renvoie aux valeurs de solidarité et de dialogue dont notre société a plus que jamais besoin. À cet égard, j'aimerais citer votre engagement dans l'enseignement que vous proposez, en partenariat avec l'Institut français de civilisation musulmane et l'Université Lyon 3, le diplôme universitaire de laïcité et de valeurs de la République, qui témoigne de votre engagement pour le dialogue interreligieux. Je salue le grand rabbin autour duquel nous étions ce matin. Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, sera à Lyon lundi pour remettre ses diplômes à ceux qui viennent d'en bénéficier. Cette tradition de dialogue dans laquelle vous vous inscrivez est naturellement portée par l'État. Pour permettre la reconversion de la prison Saint-Paul, mon prédécesseur, mon ami Jacques Géraud, qui est là et que je salue volontiers, a adopté une méthode inédite jusqu'alors et a innové, comme aurait dit Michel Serres. Lorsqu'a été décidée en 2009 la démolition de la prison Saint-Paul, de nombreuses voix, monsieur le maire, se sont élevées contre la destruction d'une partie de ce patrimoine architectural, contre l'effacement d'une partie de la mémoire des anciens détenus, mais pas seulement, de la vie tout court. Ces voix ont été entendues. Le préfet, donc Jacques Géraud, a lancé un appel à idées qui a permis d'imaginer une nouvelle vie pour ce lieu d'enfermement. 16 projets ont été reçus et c'est celui-ci, la vie grande ouverte, quel beau titre, qui a reçu l'approbation du comité de sélection où se trouvait l'État dans sa diversité, le Grand Lyon, la ville de Lyon, l'agence d'urbanisme. Il s'agissait d'éclairer le choix final. Dans le choix, je souligne le fait que les critères financiers n'ont pas été décisifs. Souvent, on fait reproche à l'État de vouloir valoriser son patrimoine en attendant des recettes qui paraissent parfois compromettre certains projets. Ici, les critères financiers n'ont été pris en compte que pour 40% de la décision. Le reste, c'était des critères tenant au respect du patrimoine, à la qualité de l'insertion urbaine, à la qualité de l'approche environnementale et architecturale. Cette démarche est tout sauf anodine. Elle marque en quelque sorte la capacité de lutter contre le toujours plus 10 ans et de faire prévaloir, comme on le fait aujourd'hui avec la politique de décote pour le logement social, l'intérêt général sur la rentabilité à court terme. La cession a rapporté plus que l'estimation de France Domaine, mais bien moins que d'autres offres qui avaient été formulées. Donc je salue de nouveau Jacques Géraud et je profite de cette occasion pour dire que ce n'est pas le seul lieu d'enfermement à la reconversion duquel il s'est attelé, parce que je sais, mon cher Jacques, qu'on te doit beaucoup pour le fait d'avoir transformé en lieu de mémoire la prison de Montluc, ce haut lieu de la mémoire résistante à Lyon. Sois-en remercié. Ce campus est magnifique, on l'a vu. L'histoire de sa création l'est tout autant. Elle illustre brillamment des valeurs qui sont au cœur de notre République, le rôle de l'éducation dans l'émancipation des individus, l'exercice de la démocratie, le service à long terme du bien public, et elle laisse présager d'un bel avenir cette institution et tous les étudiants et tous les étudiantes qui s'y succéderont. C'est ce que nous souhaitons de tout cœur. Nous avons convoqué Victor Hugo, vous l'avez fait, pour placer cet établissement sous la formule que je rappelais, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Mais il est une autre formule que vous pourriez retenir. Je vais la chercher chez Plotin, ce philosophe néo-platonicien.
du IIIe siècle, le beau et la splendeur du vrai. Justesse de vos choix, force de l'ambition éducative, qualité exceptionnelle des lieux, oui, vous en faites la démonstration, ici, le beau et la splendeur du vrai. Je vous remercie. Après Bach, Vivaldi, Beethoven, vous avez choisi, monsieur Delpuech, une pièce de musique française, ce qui a beaucoup touché le quatuor de Bussy. Il s'agit du deuxième mouvement du quatuor de Maurice Ravel, qui s'intitule Très vif, assez rythmé et très vif. Pour clôturer cette soirée, c'est sur la Moonlight Serenade de Glenn Miller que nous vous invitons à suivre le quatuor, donc à leur faire cortège, à commencer par vous, messieurs, pour les suivre jusque dans le hall. Puis nous inviterons les premières lignes des amphithéâtres, à savoir nos invités privilégiés, à les suivre. Puis, progressivement, si on pouvait vider l'amphithéâtre pour pouvoir profiter du spectacle qui aura lieu dans le hall, ce serait merveilleux. Merci beaucoup.